Jonathan Le Jarre, mon histoire. C'est qui Jonathan Le Jarre? Jonathan Le Jarre, c'est un personnage atypique. Non, c'est une bonne personne, je pense, dans le monde du football. Quelqu'un qui a rencontré beaucoup de personnes différentes, de différentes nationalités, mais qui a parcouru beaucoup et qui a gagné beaucoup de titres quand même en Belgique. Je pense que j'ai gagné 9 ou 10 titres. Donc voilà, c'est quelqu'un de joyeux, de très bon. Je suis une très bonne personne. Je suis quelqu'un qui aime apprendre aux autres, qui aime expliquer les choses du football, qui aime développer certaines choses à l'entraînement pour rendre les autres joueurs meilleurs. Et voilà, je suis quelqu'un, je pense, qui a été beaucoup critiqué, qui a été beaucoup aimé aussi à la fois, parce qu'on ne peut pas aimer, être aimé de tout le monde, mais je pense que du grand public, j'ai été aimé de beaucoup de monde. Et voilà, je suis quelqu'un qui a quand même marqué l'histoire du football belge. On peut quand même dire ça parce que je pense que ce que j'ai réalisé dans ma carrière, il y a peu de joueurs qui l'ont réalisé. Et je pense que je suis quand même un personnage que beaucoup de jeunes aimeraient avoir, qui aimeraient être ce que j'ai été pendant 20 ans, qui aimeraient bien réaliser ça. Donc c'est un peu un rêve d'enfant, ce que j'ai réalisé. Et je pense que tout jeune aimerait avoir la même carrière et gagner autant de titres que j'ai eu tout au long de ma carrière. On va commencer par le début de carrière. Tu commences à la JS Thiers à Liège. Chaque joueur est un peu toujours attaché au premier club où il a joué. Pourquoi tu as commencé là-bas? Ben, tout simplement, à la base, j'ai fait du karaté pendant 3-4 ans. J'ai été deuxième au championnat de Belgique de karaté, donc à l'âge de 7 ans et demi, 8 ans. Et je joue au foot en même temps. Donc c'était un club qui était vraiment à côté de chez moi parce que je provenais de Saint-Léonard, donc c'était vraiment pas loin. Et à un moment donné, j'ai dû faire le choix. Donc soit je me concentre à 100% pour le foot ou le karaté, parce que ça devenait vraiment deux sports qui me prenaient quand même du temps. Karaté, ça me prenait... Une fois que tu deviens deuxième au championnat de Belgique, tu dois commencer à être trois fois semaine aux entraînements, plus le football aussi, deux entraînements. Et ça devenait compliqué, donc j'ai fait le choix de continuer le football. Et bon, ça m'a plutôt bien réussi. Mais voilà, c'était vraiment le club qui était à 2-3 km de chez moi, donc je pouvais aller à vélo, je pouvais aller en bus. Donc voilà, j'avais quand même toujours ma maman avec moi, mais... Là, c'était vraiment le club qui était à côté. Tu retournes de temps en temps? Je repasse parce que mes parents habitent vraiment pas loin et je passe, je vais dire une fois au moins semaine devant. Et voilà, ça a changé parce que moi j'ai connu la JS Thiers comme c'était un boui-boui, on va dire. C'était des vestiaires des cages à poules, et puis maintenant quand je passe devant, ça a quand même évolué, donc ils ont quand même construit un nouveau bâtiment. Bon, il n'y a toujours pas d'herbe sur le terrain, ouais, bon, ça c'est avec le temps, ça viendra. Mais voilà, ça reste quand même le même club et j'ai été une fois ou deux, je pense, tout au long de ma carrière, donner un coup d'envoi une fois, et une fois un stage pour les jeunes, j'étais passé un peu voir le stage pour un peu me présenter qui j'étais. Que j'ai commencé là-bas et que c'est pas parce qu'on commence dans un petit club qu'on peut pas faire une grande carrière. Donc voilà, c'est mon premier club et ça reste quand même le club où j'ai débuté. Ouais, exactement. Tu t'es repéré par le Standard avec un transfert en 1998. Comment ça se passe dans la tête d'un jeune quand le grand Standard vient te chercher alors que tu es à la JS Thiers à Liège? Ben, j'ai pas fait JS Thiers Standard, donc j'ai fait JS Thiers, puis j'avais beaucoup d'offres, donc de Genk, de Bruges, Standard, et je devais signer au Standard, mais mes parents trouvaient que c'était un peu tôt de quitter la JS Thiers direct Standard. Donc j'ai fait un intermédiaire avec le RFC Liège, qui était à l'époque en D2, donc l'équivalent de maintenant comme ils viennent de monter en DAB. Et donc j'ai été là-bas.
Et je suis resté un an là-bas et ça a été une de mes plus belles années aussi parce que j'ai rencontré énormément de copains. C'était vraiment une chouette ambiance. Et donc j'ai fait toute une année avec eux. Et après un an, vu que j'étais de nouveau encore très fort à un niveau quand même par rapport à la GSTR qui était quand même 5 échelons au-dessus, j'ai été très bon. Dont j'ai été 2 fois meilleur joueur de tournoi avec eux. J'ai été meilleur buteur de la saison et de là, le standard, de nouveau encore ces clubs-là sont revenus et j'ai décidé d'aller au standard pour ma progression. La question, c'est difficile de garder les pieds sur terre déjà à cet âge-là? Les pieds sur terre, t'es jeune, j'avais 10 ans. Maintenant, je pense que voilà, c'est. Tous tes amis, quand tu dis que tu joues au standard, ouais, c'est sûr, mais les pieds sur terre, à 10 ans, je pense que tout le monde les a. Peut-être maintenant un peu moins avec l'effet médiatique qu'il y a maintenant avec les jeunes, même à 10 ans. Maintenant, quand j'entends des fois certains parents qui sont à 10-11 ans derrière leur fils et qui pensent que leur fils va arriver en D1, il n'y avait pas ça à mon époque. Donc c'était quand même déjà un niveau quand même très bon, mais il n'y avait pas d'effet médiatique qu'il y a maintenant. Et je trouvais que c'était plus naturel et ça restait quand même de l'amusement et le football, le plaisir. Tandis que maintenant, ça devient un peu plus, même à cet âge-là, un peu plus business et tout le monde voit déjà leur fils arriver. Et voilà, c'est un peu dommage, mais c'est le football moderne. Exactement. L'importance des parents, surtout pour les déplacements, les entraînements, ça prend énormément de temps. Il y en a des parents qui sacrifient, on va dire, leur vie pour les gamins de 10 ans, pour aller à l'entraînement. Ça se passait comment pour toi? Moi, je peux prendre le cas parce que moi, j'ai été dans le cas. Donc, mes parents sont sacrifiés énormément. Donc, déjà, quand j'étais à la GSTR, quand j'ai été de la GSTR à Liège, mes parents, mon papa n'avait pas la voiture. Donc, déjà, il n'avait pas le permis. Donc, on a fonctionné avec taxi, bus. Donc, ça a été pendant, on va dire, un an et demi du début, ça a été avec les transports en commun, des taxis et tout ça. Et puis, mon papa a quand même passé son permis. Et une fois que j'ai été au standard, là ça a commencé parce que c'était 4 entraînements en semaine, non c'était 6 entraînements en semaine, mais sur 4 jours différents. Donc on avait des fois 2 fois par jour. Donc mon papa devait m'accompagner les jours où j'avais pas entraînement le matin, donc c'était que le soir. Donc là il m'accompagnait, il m'attendait et je revenais avec lui. Et le jour où on avait faute étude, j'allais avec le car et là il me reprenait. Donc ça faisait quand même avec 4 on va dire trajets pour lui Liège standard Liège standard mais après il l'a fait voilà pour moi et voilà je vais encore les remercier à l'heure d'aujourd'hui et je les remercierai jamais autant de ce qu'ils ont fait pour moi et puis après j'ai été à Anderlecht à 16 ans et là j'ai eu un appartement Là, tu vas trop vite, Ok. hein. Non, non, c'est par rapport au trajet pour dire Rigole. que à cette époque-là, il m'accompagnait aussi à Bruxelles et j'avais un appartement, mais je voulais rentrer parce que j'avais 16 ans. Donc pendant 3 ans, il a fait Liège-Bruxelles le matin à 6 heures et il m'attendait. Après l'entraînement, je revenais. Et comme ça, pendant, allez, on va dire 2 grosses années, donc je pense qu'il a fait 150 000 km plus tous les trajets. Je pense que mes parents ont fait plus d'1 million de kilomètres pour moi. Ça t'oblige à prester. Tu disais, vu tout ce qu'ils font, je suis obligé d'être bon. On va dire c'est pas une obligation. Après, je pense que à la base pour eux c'était un amusement et de me rendre heureux parce que le football était ma passion et c'était ma joie de vivre et ils l'ont fait parce que j'étais leur fils et qu'ils voulaient que je sois épanoui et le football c'est quelque chose qui m'a rendu heureux. Et c'est sûr qu'une fois que tu es dedans, tu comptes pas le temps, tu comptes pas les kilomètres. Et je pense que voilà, c'est une satisfaction pour moi de réussir ma carrière par rapport à tout ce qu'ils ont fait pour moi. Au final, ça se passe pas super bien le premier passage au standard, de ce que j'ai lu, et tu décides d'aller à Anderlecht. Pourquoi ce choix? C'est un choix. Pas du cœur, on va dire, parce que Standard, c'était le club de mon cœur. Donc, c'était le club où j'ai rêvé jouer quand j'étais petit.
Et quand tu es au standard, ben, tu as quand même accompli, même à 10 ans, tu as quand même accompli allez, une chose quand même dans ta vie, c'est que tu as pu quand même porter la varus du standard. Et quand je suis arrivé à 16 ans, donc j'étais dans une équipe avec Christophe Lenoir, qui a été mon coach pendant, on va dire, 4-5 ans au standard. Et on avait une génération vraiment magnifique. Donc il y avait Kevin Miralas, il y avait Pocognoli, Sébastien, il y avait Jordan Remacle, il y avait Réginald Gauroux. Donc on avait vraiment une équipe de, allez, je ne vais pas dire de stars, mais avec beaucoup de joueurs de talent. Et on a été 4 fois champion de Belgique en 6 ans là-bas. On a gagné, je pense, 4-5 tournois, vraiment des top tournois à l'étranger et tout ça. Et arrivé à 16 ans, c'était, on va dire, le moment où tu devais signer un contrat. Et là, j'avais énormément de clubs parce que j'étais en équipe nationale aussi des jeunes, avec 4-5 joueurs de mon équipe. Et il fallait signer un contrat et mon souhait, c'était de rester au Standard. Mais le Standard n'avait pas, à cette époque-là, la politique qui est arrivée après de miser un peu sur les jeunes. Donc, j'ai eu beaucoup d'offres, j'ai écouté beaucoup d'offres, j'avais des offres un peu partout en Europe, mais mon souhait c'était de rester au Standard. Et on ne s'est pas mis d'accord au niveau du projet sportif par rapport au Standard. Donc le projet d'Anderlecht, ben, j'avais 4 ans de contrat avec un vrai projet, donc un projet où j'avais vraiment un suivi et où j'avais vraiment un plan de carrière établi. Bon, maintenant, qui n'était pas 100% réalisable si tu performais pas. Mais en tout cas, tout était établi pour arriver. Donc, grâce à leurs 4 ans de contrat et ce qu'ils ont mis sur la table par rapport au projet, ben, c'était quelque chose qui pouvait, je pense, accélérer le fait que j'aurais pu réussir ma carrière. Tandis qu'au standard, ben, c'était un contrat pour te mettre sous contrat, c'était 2 ans. Et j'avais aucune garantie de m'entraîner avec l'équipe première, c'était vraiment rester dans ma catégorie. Non, je montais d'une catégorie, mais voilà, c'était juste purement, t'es très bon, on te met sous contrat, mais il n'y a pas de projet pour toi. Et tandis qu'Anderlecht, tout était établi, donc j'ai décidé d'aller à Anderlecht plus pour le choix de ma carrière et de la progression qui me restait encore à accomplir pour arriver en équipe première. Et Anderlecht, ben, misait beaucoup sur moi pour que je puisse arriver. C'est à quel moment que tu as su, où tu t'es dit, ok, c'est bon, là je vais être pro et je vais en faire ma vie. Est-ce qu'il y a vraiment eu un moment ou un déclic ou un match où tu t'es dit, là vraiment je peux y arriver? Ben, je pense le premier match quand je marque à Ostende, je devais avoir 16 ans, ou allez, presque 17, mais je pense que j'avais encore 16 ans. Dès que j'ai marqué mon premier goal, ben, l'effet médiatique un peu sur moi, que j'étais la nouvelle pépite d'Anderlecht, tout ça. Donc, je veux dire, c'est pas grâce à ça que j'ai su que j'allais faire une bonne carrière, mais on va dire que ça m'a rassuré allez, ça a confirmé un peu ce que tout le monde disait sur moi, en disant il va arriver, il a les qualités, il a le talent pour arriver, pour être un bon joueur. Ben, ça a été, on va dire, une satisfaction et ça a confirmé, allez, ce que les gens disaient, ben, que quand tu as joué déjà des minutes et que tu as pu marquer un goal en D1, en Anderlecht, dans une équipe où il n'y avait pas de jeunes à l'époque, ben, tu te dis que, ben, ok, t'es parti maintenant et tu vas pouvoir au moins faire une bonne carrière. Maintenant, je ne savais pas qu'elle allait être aussi belle ou aussi bonne, mais en tout cas, tu te dis que tu as quand même beaucoup de bonnes choses qui peut arriver par la suite. Tu passes dans le noyau pro donc à 16 ans avec Anderlecht en compagnie de Vincent Kompany et d'Anthony Van den Boer. Hugo Broos te donne ta chance le 10 novembre 2004 contre le Standard. Tu fais pas un super match et surtout le public t'a réservé un accueil particulier. Il s'est passé quoi? Ben, ouais, c'est un peu on va dire, l'effet médiatique. Ben, c'est un peu des fois boomerang. J'avais 16 ans et allez, la presse en a profité un peu pour un peu sortir des faits que j'ai dit, mais sans vraiment rentrer dans les détails et ce que je pensais pas. Mais ils ont sorti ça comme gros titre et ça a fait un peu. Genre, j'ai quitté le standard parce que c'était des ouvriers.
Ouais. Mes parents sont ouvriers, je veux dire, j'ai pas grandi dans le luxe. J'étais quelqu'un comme tout le monde et mes parents ont toujours travaillé. Et donc, je veux dire, voilà, c'est des propos qui ont été un peu mal interprétés et ça fait un boom au standard par rapport aux gens. Et puis, quelqu'un qui quitte le standard pour arriver à Anderlecht et puis qui joue au premier match standard Anderlecht, bah, c'est sûr que Liégeois, c'est comme un peu du four quand il a quitté, on a pendu sa tête. Ici, ben, ce que j'avais déclaré, ben, ce n'était pas déjà mes propos, parce que je veux dire par rapport à l'article et par rapport à ma vie d'où je viens et qui je suis, ben, c'est pas, allez, c'est le même, Ça collait pas. ça ne collait pas. Donc voilà, mais bon, ils ont interprété ça comme être un Judas. Et donc moi, ouais, j'ai été sifflé, j'ai été hué, on va dire, pour mon premier match. Pas cool, mauvais souvenir. Pas cool, mais maintenant, je trouvais que, allez, moi j'ai toujours été quelqu'un, tout ce qui est ambiance comme ça, quand les gens en ont après moi, ben, c'est là où je suis meilleur en fait. Donc pour moi, c'est motivant et ça veut dire que tu es quand même quelqu'un d'important. Je dis toujours, tant qu'on parle de toi, c'est que tu es important. Le jour où on parle plus de toi, c'est que tu n'es pas important. Enfin, c'est que tu es plus important. Et je me dis que s'il y a autant de personnes, 30 000 personnes qui prennent le temps, eux, de t'insulter, de te huer, de te siffler, et ça, c'est que tu es quand même un bon joueur et que c'est que tu mérites d'être titulaire au Standard et que tu es Anderlecht, mais c'est que les gens t'aiment bien quand même, en tant que joueur. On va passer, les gars, donc au petit jeu. J'aurais dû, je n'aurais pas dû. Pause, 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 pause. Le principe du jeu est très simple. J'aurais dû ou je n'aurais pas dû. On reprend un événement de la carrière de notre invité et il n'a qu'une seule chose à faire. Compléter la phrase. Bref, je te laisse avec la vidéo, mais n'oublie pas de t'abonner, la liker, la commenter si t'aimes le concept. Allez, bonne vidéo. J'en ai quatre pour toi. Au début de ta carrière, ce que j'ai lu, tu peux me dire si je me trompe. T'as eu beaucoup de blessures. Pour pallier à ça, j'aurais dû faire quoi? Bah, j'aurais dû peut-être aller mieux me préparer, mieux me soigner peut-être. Allez, quand je dis mieux me soigner, c'est peut-être prendre en compte que le football, c'est pas seulement jouer, ça demande beaucoup plus d'efforts pour être performant. Maintenant, être performant, j'étais performant, mais pour éviter les blessures, j'aurais dû peut-être aller me soigner plus. Pour que ma carrière décolle encore plus et que je me retrouve dans un très grand club, j'aurais dû. J'aurais dû rester en Anderlecht et pas partir en Russie. Quand je repense à ma carrière, je n'aurais pas dû. Je n'aurais pas dû partir en Russie et j'aurais dû rester en Anderlecht. On va y venir sur la Russie. J'ai fait cette déclaration dans la presse et vraiment, j'aurais pas dû. Ouais, j'ai toujours assumé ce que j'ai dit et ce que j'ai fait. Donc, après, dans le monde du foot, c'est pas toujours évident parce qu'il y en a beaucoup qui disent et qui n'assument pas ou qui disent pas et qui n'assument pas non plus. J'ai pas une interview qui m'est arrivée, enfin, qui m'arrive en tête où j'aurais pas dû faire. Non, j'ai pas. Tant mieux. On va passer toute cette bonne période, parce qu'on en avait déjà parlé à Anderlecht, avec le parcours en Coupe d'Europe et tout ce qui s'est bien passé. On parle, je n'ai beaucoup d'argent dans le football. Tu signes à Tarek Grozny en Russie. On parle d'un salaire autour de 2 millions par an. Est-ce que c'est la raison de ce transfert? Déjà, c'était pas 2 millions, c'était 1 million, déjà. C'est ce que j'ai lu, hein. Ah. C'est, Non, encore une fois, c'était la 1 presse. million. C'était pas 2 millions, donc je rectifie. Et de deux, ben, comme je dis et je l'ai toujours répété, maintenant je vis pas avec des regrets, mais j'aurais pas dû quitter la Russie. Enfin, j'aurais pas dû quitter Anderlecht pour la Russie. Déjà, c'est déjà une chose, mais maintenant je regrette pas. Parce que voilà, j'ai vécu une bonne expérience et puis voilà, j'ai découvert quand même la Russie, qui était quand même pour moi une bonne chose parce que ça, le championnat quand même relevé. Mais si j'ai un conseil à donner par rapport à ça, c'est donner même aux jeunes ou même c'est rester dans vos clubs où vous êtes bien et les bons clubs avec des bons pays viendront
dans des bons moments et ce sera le moment de le faire, de faire le bon choix. Et moi, j'ai fait peut-être un choix après 9 ans, un peu peut-être précipité en me disant ça fait 9 ans, je dois partir. Parce que voilà, Anderlecht, ben, c'est le bout, enfin, c'est la fin d'une histoire. Et j'aurais dû, je pense, rester Anderlecht et pouvoir peut-être soigner mes blessures, être plus performant, pas plus performant, mais être plus, aller plus régulier au niveau des matchs. Et là, je pense que j'aurais pu faire une bonne carrière, un bon transfert en Europe. Quand on n'a jamais quitté le championnat de Belgique, ça se passe comment pour un Liégeois quand on débarque en Russie? Est-ce que tu avais un traducteur? Tu parlais, je suppose, pas russe? Non, ben, j'ai ma femme comme qui est, enfin, c'est vraiment pur hasard. Elle est traductrice anglais-russe, donc elle était aux études, elle a fini ses études de traduction anglais-russe jusqu'à je signe là-bas. Donc au niveau des traductions, c'était facile pour tout ce qui était, on va dire, lecture. Parce que, vu qu'en Russie, ils ne sont pas du tout anglais, donc pas si à Moscou, mais je veux dire, sinon, où moi j'étais dans toutes les villes d'à côté, ben, c'est russe, 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 donc il n'y a pas de texte en anglais, il n'y a pas de traduction en anglais dans aucun magasin, aucun resto. Donc, ben, elle m'a quand même beaucoup aidé. Et sinon, j'avais un traducteur anglais. Donc, au début, mon anglais, il était, on va dire, bof. Mais je veux dire, tout au long de ma carrière, ben, à force d'avoir des traducteurs en Turquie, en Russie, ben, ça m'a permis de développer mon anglais. Maintenant, ben, je vais dire que j'ai un anglais pas parfait, mais au moins je peux avoir des longues discussions avec des gens en anglais. Et voilà encore une chose qui fait que je ne regrette pas d'avoir voyagé. Au moins, j'ai quand même appris des choses et ça m'a quand même ouvert d'esprit avec tous les pays que j'ai eus. Ça doit être bizarre quand t'es petit Liégeois d'arriver dans le vestiaire pour la première fois dans le club russe. Ouais, c'est sûr que ouais, je vais vous avouer que ma première réaction quand j'ai atterri dans ma ville en Russie, mon premier souhait, j'ai appelé mon agent et je voulais quitter. Donc, tellement ils étaient, je vais dire, la ville où j'étais, ils étaient 50 ans en arrière sur nous. Donc, ça veut dire que je suis arrivé là en 2010, j'ai l'impression qu'ils vivaient en 1950. Donc pour moi, ça a été difficile de quitter Bruxelles, parce que déjà, je suis liégeois et je suis arrivé à Bruxelles. Donc pendant 9 ans, j'ai fait ma vie à Bruxelles. Et Bruxelles, bon, on sait que c'est quand même la capitale, c'est quand même autre chose que Liège au niveau de la vie, de la population et tout ça. Donc c'est beaucoup plus grand. Et donc une fois que tu vis à Bruxelles, ben, tu as envie de rester à Bruxelles. Et puis tu arrives dans un village de Russie où là, ils vivent 50 ans en arrière. Et voilà, ça a été vraiment un choc pour moi et je pense que c'est pour ça que ça a pas réussi vraiment avec la Russie, c'est que j'étais vraiment dépaysé et pour moi ça a été un choc terrible de passer d'Anderlecht où j'ai connu le nouveau Nerped avec toutes les nouvelles installations, les infrastructures et puis j'arrive dans un club où il y a un terrain et où il n'y a pas une herbe sur le terrain. Donc tu te C'est dis en le fait. rappel à Giestière au final. Exactement. Quand je suis arrivé là, j'ai l'impression que je me retrouvais à la GSR, mais avec une vie en dehors des terrains qui était, je pense, comme à l'époque, mes grands-parents. Donc, une vie que je n'ai pas connue, mais que j'ai connue là-bas, en 2011. Donc, c'est ça qui est incroyable. Olympiakos, Blackpool, c'est pas non plus la meilleure période de ta carrière. Tu regrettes ce genre de choix et ce genre de destination? Après, c'est comme je l'ai répété souvent, c'est des choix qui n'ont pas été liés propres à moi. Donc, c'est des choix que. Allez, c'est de la confiance que j'ai donnée à de mauvaises personnes. Donc, quand je dis mauvaises personnes, ben, ça a été en l'occurrence un gars comme Christophe Orotet, qui a été, on va dire, mon agent pendant 10 ans. Ben, il m'a fait un peu faux bond à certains moments. On va dire dans ma carrière, comme l'Olympiakos, où je signe et où le club ne me veut pas. Donc ça veut dire pendant 6-7 mois, je me retrouve tout seul chez moi, enfin, avec ma famille, et où je ne peux pas aller dans le club de l'Olympiakos parce qu'ils ne me veulent pas, mais j'ai un contrat. Donc ça a fait partie des mois de galère, on va dire. Donc ça a été
des mois où j'ai dû en fait me battre contre moi-même parce que bon, au final il n'y avait personne et j'avais un contrat mais je pouvais aller m'entraîner nulle part. Donc ça a été un peu compliqué. Et puis l'histoire de l'Olympiakos se règle tout doucement et ça prend quand même 7-8 mois. Et après 7-8 mois, ben, on trouve un accord où là je cache mon contrat avec l'Olympiakos et où donc ça faisait presque un an que je ne jouais pas. Donc pas de ma faute, encore une fois, c'est vraiment comme je disais, le football business. Et on en revient, c'est des choix. En fait, l'Olympiakos, j'avais 20 autres clubs qui me voulaient. Et l'Olympiakos ne me voulait pas, mais par rapport à mon agent, où là il était bien là-bas, ben, j'ai signé là-bas parce que lui avait ses entrées là-bas. Mais en fait, le club ne me voulait pas. Et puis je me retrouve en Angleterre, où là, après un mois que je suis là-bas, ben, le coach se fait virer. Et je me retrouve avec un nouveau coach qui, on va dire, met 15 joueurs en dehors de l'équipe. Donc j'arrive un jour matin, je ne reconnaissais plus personne dans le vestiaire. Je me suis dit, ah, je suis dans le bon vestiaire. Et au final, ben ouais, j'étais dans le bon vestiaire, mais en Angleterre, avec tous les joueurs qui peuvent prendre à la dernière minute, les Anglais qui n'ont pas de club et tout ça, ben, ils ont pris 15 nouveaux joueurs. Et donc, j'ai été mis à l'écart pendant 4 mois. Donc, je n'avais pas à jouer, mais j'ai été mis à l'écart. Donc, pendant 12-13 mois dans ma carrière, ça a été allez, difficile, mais j'avais confiance en moi-même et en mes qualités, en mes capacités de pouvoir revenir. Donc je me suis dit, bah voilà, ça a été une année un peu mauvaise, une année un peu noire, mais c'est pas grave, les qualités elles sont là, on va tourner cette année, ça va être la fête d'une année un peu catastrophique. Et puis j'ai été au Standard après en 2015. Et là, ben, voilà, j'ai bien rebondi et ça a été aussi un choix de cœur et pouvoir réaliser un rêve comme d'avoir pu jouer en équipe première pour le club de mon cœur et de ma ville. Ce que je disais, retour tant attendu au Standard. Toi, en tant que Liégeois, quand tu as appris que tu allais jouer au Standard, c'était quoi ta première réaction? Ben, déjà, il faut savoir quelque chose, c'est quand, après tous ces mois de galère, c'est que je signe au Standard pour le plus petit salaire du club. Donc, ça veut dire que quand je signe au Standard, je suis vraiment considéré comme très jeune joueur qui n'a jamais prouvé. Le 27e. Exactement. Et ce qui est incroyable, c'est que un an avant ça, avant de signer à l'Olympiakos, ben, j'ai la même situation avec le Standard, où là, j'avais le meilleur contrat du club. Et pour dire que le football, enfin, je fais une petite parenthèse, c'est que tu es très fort un jour, mais le temps, en fait, il passe tellement vite et qu'un an après, ben, l'homme fort et le joueur fort que tu étais, ben, il est devenu plus rien, en fait, un an après. Donc ça veut dire qu'on passe du plus gros salaire du club, le Standard de Liège, un an après au plus petit salaire. Et là, ben, ma force, elle a été que l'argent n'était pas un problème pour le club de mon cœur. Donc ça veut dire que financièrement, je sais que ce n'est pas avec ça que j'allais pouvoir vivre, parce que j'avais vraiment le strict minimum. Mais c'était une chance pour moi énorme et aussi une satisfaction et une envie de prouver à ma famille, à mes parents, à ma femme de pouvoir accomplir quelque chose et un rêve, réaliser un rêve de jouer pour le Standard. Et n'importe quelle situation et obstacle que j'avais eu, ben, j'allais les surmonter pour pouvoir réaliser mon rêve. Et c'est ce qui s'est passé. C'est que 4-5 mois après, je joue pour le Standard, je marque pour le Standard. Et voilà, ça a été aussi une grosse satisfaction. Et après, voilà, j'ai revu mon contrat et puis je suis devenu quand même un joueur quand même important du Standard. Et puis voilà, donc ça a fait son petit bonhomme de chemin. Et c'est là que je répète chaque fois, c'est que voilà, l'argent n'est pas un problème dans le football. Je veux dire, pour tout jeune joueur, ce n'est pas l'argent qu'il faut voir, mais c'est le bien de son enfant et choisir et faire le bon choix au niveau du projet sportif pour son enfant. Et moi, c'est ce que j'ai fait même à mon âge. Je pense que je devais avoir 27 ans ou
28. Et le choix, il a été de pas faire un choix financier, mais de faire un choix du cœur et de pouvoir réaliser son rêve. Et je pense que ça, c'est important. C'est d'expérience, ce que tu viens de dire, l'expérience avec le choix en Russie, avec l'Olympiakos et tout ça, qui te fait dire maintenant, finalement, l'argent, c'est bien, mais c'est pas bien. Ben après, voilà, c'est comme je dis, le choix de la Russie, quand tu fais un dans l'autre, le choix de la Russie, ok, c'est un choix d'argent, mais tu te dis que tu n'aurais pas dû faire ce choix-là. Tu aurais dû encore rester à Anderlecht et grâce peut-être aux performances que tu aurais eues avec Anderlecht et la continuité de ce que tu as accompli depuis 9 ans, ben c'était peut-être... Allez, pour moi, j'étais peut-être précipité de partir parce que j'avais accompli un chapitre, une histoire à Anderlecht où j'avais gagné 2 Coupes de Belgique, où j'avais gagné 3 Super Coupes, où j'avais été 3 fois champion de Belgique, j'avais été meilleur buteur en Europa League. Donc je me suis dit à un moment donné, ben voilà, j'ai fait le tour, j'ai joué toutes les compétitions, j'ai été international belge, j'ai tout gagné, ça fait 9 ans que je suis là. Et je dois partir parce que c'est le moment de partir. Mais avec le recul, je me dis que non, j'aurais dû rester. Et peut-être grâce à ça, j'aurais peut-être pu aller en Angleterre parce que j'aurais été moins blessé. Donc voilà, c'est des choix en fait que je me dis, voilà, je les ai faits, je les assume pleinement et je ne vis pas avec des regrets. Mais à refaire, je pense que je fais ma carrière un peu différemment. Une bonne période à Saint-Tron et un passage en Turquie. Et si tu décides de revenir ici, à viser dans ta région, ça, c'est le choix du cœur et surtout le choix de la famille. Ben ouais, après, voilà, encore une petite parenthèse par rapport au passage Standard Saint-Tron. Ben encore une fois, j'étais au Standard, je devais re-signer, mais on me faisait un peu attendre parce qu'il fallait voir comment ça allait se passer. Et je décide d'aller à Saint-Tron, où là, on me propose aussi un projet où les gens sont derrière moi, où on me donne la satisfaction, on me donne des arguments pour me valoriser et me rendre meilleur. Et donc, encore une fois, j'ai fait un choix, ben, pas de cœur, parce que je quitte le club de mon cœur, pour aller à Saint-Tron. Mais en me disant, ben ouais, là, il y a des gens qui misent sur moi, j'ai des gens qui croient en moi, des gens qui veulent que je rentre dans le projet. Donc, c'est pour ça que j'ai quitté le Standard pour aller à Saint-Tron. Allez, c'est sûr que si tu m'avais dit ben voilà, un contrat de 2 ans en plus, ben, je serais resté au Standard sans discussion. Mais voilà, le football maintenant, ben, on attend, on voit, il faut mettre la jeunesse. Donc voilà, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Mais j'ai été valorisé d'un côté au niveau humain et je me suis dit ben, c'est le moment pour moi d'aller à Saint-Tron. Et j'ai été et ça s'est super bien passé. Donc franchement, c'est vraiment un club que j'ai dans mon cœur aussi parce que c'est un club vraiment avec, allez, je veux dire, une bonne ambiance familiale, on va dire, mais dans un contexte qui est super professionnel. Donc, ce que j'ai connu à Saint-Tron, ben, en Turquie, en Russie, je n'ai même pas connu ça. Je veux dire, pourtant, des clubs qui avaient beaucoup plus de moyens. Ben voilà, j'ai connu un club à Saint-Tron fantastique où tout le monde était derrière moi, derrière l'équipe. Et voilà, ça a été, je pense, une de mes meilleures années dans le monde professionnel. Ça bosse bien à Saint-Tron. Ouais, je trouve que ça bosse bien. Et puis, tu te sens vraiment comme à la maison. C'est vraiment, je disais, c'est vraiment incroyable. C'est qu'à Saint-Tron, tu te sens comme si tu étais chez toi. Et je pense que c'est un vrai plus. Pour un joueur, ça veut dire que tu as envie d'aller t'entraîner, tu as envie de rester dans le club, tu as envie de grandir avec eux. Et je trouve que voilà, Saint-Tron reste quand même un moment quand même important dans ma carrière. Ici, donc retour à Visé, là du coup, c'est le choix de la famille. Ouais, là, c'est 100% le choix de la famille. Là, j'ai vraiment fait le choix de plus aller me tracasser le matin en me disant... je dois partir à 6h du matin, je dois faire 2h, 2h30 de route. J'ai le petit, après la Turquie, où il a eu une année, l'école à la maison, la communauté française, on suivait le programme avec la communauté française. Donc il a quand même su suivre sa première année avec les cours comme s'il était à l'école. Et puis après... Bah, je me suis dit que c'est le moment pour lui de rentrer avec
ses amis, ses camarades de classe, parce qu'il est à Sainte-Véronique et il avait suivi depuis la première maternelle, c'est la même classe, donc 3 ans avec eux, et puis après il a quitté ses copains pour aller en Turquie pour suivre son papa, et puis après un an, je me suis dit que c'était le moment, allez, un an et demi, c'était le moment pour moi de penser plus à ma famille, à lui, de pouvoir suivre la scolarité normale et de pouvoir rester avec ses amis et de pouvoir le suivre, de pouvoir l'accompagner à l'école, d'aller le chercher, d'être proche de lui et de ma famille. Et c'est pour ça que j'ai décidé de venir à Visé. Avant de passer aux questions qui fâchent, on se doute bien que là, en tant que joueur, ta carrière est plutôt derrière toi. C'est quoi la suite de Jonathan dans le foot? Ben, la suite, comme je dis, c'est, alors on va dire, une page qui se tourne au niveau joueur. Mais maintenant, j'ai une nouvelle page en tant que coach qui va s'ouvrir. Et voilà, mon but, c'est d'abord de finir mes cours. Il me reste un an de cours pour avoir mon UEFA en tant que coach. Donc ça, c'est mon premier souhait, c'est de bosser pour avoir ce diplôme. Et puis, à partir de l'année qui vient, c'est d'être T2 à Visé, de pouvoir grandir et apprendre avec José Riga, de pouvoir apprendre un peu de son expérience. Et je pense que c'est un bon mentor. Donc c'est quelqu'un qui peut m'apprendre beaucoup. Donc voilà, je pense que ça peut être une bonne chose pour moi de débuter dans le staff avisé avec José Riga. Bon, maintenant, les petites questions qui dérangent, parce qu'il n'y a pas que du positif, même si la première, elle est plutôt sympa. Quand on est liégeois, qu'on joue au standard, on gère comment le carré? Ben, le carré, franchement, c'est vraiment un endroit où j'ai pas été beaucoup. Parce que Ou les sorties à Liège, en Liège en général? Ben, je pense que c'est une bonne ambiance. C'est une bonne ambiance. Maintenant, voilà, comme je dis, j'ai pas fait beaucoup de sorties à Liège. Donc, allez, je ne veux pas dire que j'ai pas été à Liège, mais je pense que ça a été Liège, la ville où j'ai le moins fait la fête, on va dire, de toutes les villes en Belgique. C'est bizarre à dire, mais voilà, c'est pas pour moi la ville où j'ai partagé. Le plus de moments, on va dire, resto, sortie, c'est pas Liège. Avec l'accident de Sofiane Keane, on a beaucoup parlé du parallèle avec tes accidents. Est-ce que tu n'en as pas marre d'être plus associé à ça? Qu'est-ce que tu as fait dans le foot? Bah ouais, mais je pense que ça fait partie du football. C'est comme ça, quand tu es un personnage public, bah, tu es toujours exposé, on va dire, aux faits que tu as fait. Et maintenant, ce qui est un peu triste, c'est que on revient toujours avec quelque chose de négatif et que ce que j'ai réalisé dans ma carrière, je pense qu'il y a 90% ou 95% de positif. Et ce que moi j'ai réalisé dans ma carrière, je pense qu'il y a peut-être 2% ou 1% de la population qui peut réaliser ça dans le monde professionnel. Gagner 10 titres en Belgique, je pense qu'il n'y a personne qui peut, à l'heure d'aujourd'hui, se réveiller ou se dire mon fils ou moi je peux réaliser ça. Donc ce qui est dommage, c'est qu'on parle plus de l'accident que des bons moments que j'ai eus et de la belle carrière que j'ai fait. Mais bon, voilà, ça fait partie du monde médiatique et ça fait partie un peu du contexte un peu du footballeur. De la vie en général, quand je prends la presse, allez, je lis pas la presse, mais quand j'ai la possibilité d'ouvrir une gazette ou un magazine, c'est que du négatif. Bon. Ça me surprend pas et ça m'atteint pas. Mais ce qui est dommage, c'est que on parle que du négatif et c'est que le négatif qui fait vente, malheureusement. Et voilà, c'est la vie, c'est comme ça, il faut faire avec, mais voilà. Les gens qui m'aiment et qui me connaissent savent qui je suis. Et les gens qui ne me connaissent pas et qui m'ont jamais allez, rencontré ou apprendre à me connaître, bah, c'est ceux-là qui parlent. Et comme je dis, ça représente les gens qui parlent en mal, ça représente 0,0001%. Donc c'est peut-être 30 personnes sur 12 millions de personnes, ou 50 personnes, ou 100 personnes.
Je veux dire, allez, pour moi, ça rentre dans une oreille, ça sort de l'autre, donc j'ai pas de problème avec ça. Comment on gère les moqueries sur ta façon de t'exprimer? Est-ce que c'est pas un peu facile ou c'est pas un peu la jalousie? On en revient un peu. Voilà, je pense que c'est beaucoup de personnes qui me connaissent pas ou qui me connaissent. On va dire les gens qui me connaissent et qui savent qui je suis ne vont jamais se permettre ça. Parce que il y a beaucoup plus de personnes qui m'aiment pas. Heureusement aussi. Mais voilà, c'est pour moi une façon de montrer que tu es important. Qu'on se moque de toi, qu'on parle de bien en toi ou qu'on parle de mal en toi. Je dis toujours, tant qu'on parle de toi, c'est que tu es important. Moi, il n'y a pas, je pense, un mois depuis 20 ans de carrière où je n'ai pas ouvert un magazine ou un journal en 20 ans où je n'ai pas été une fois dedans. Donc je me dis que c'est que je suis quand même quelqu'un d'important. C'est que les gens aiment bien quand même parler de moi. C'est quand même que je suis quand même quelqu'un de populaire. C'est quand même quelqu'un. Voilà. Donc je pense quand même que les gens, que ce soit en bien ou en mal, j'ai toujours, tant qu'on parle de toi, c'est que tu es quand même quelqu'un d'important. Et dans le monde du football, ben, j'ai écrit l'histoire comme du football belge. J'ai quand même écrit l'histoire d'Anderlecht, même si Anderlecht a quand même un grand palmarès. J'ai quand même participé à, on va dire, à 10% du palmarès d'Anderlecht, donc ce qui est quand même très bien. Mais voilà, je pense que ça fait partie du football et c'est avec tous les joueurs, c'est la même chose. Et voilà, il faut vivre avec ça. On connaît ta capacité à rigoler, à faire la fête. Le bizutage, ça fait partie du monde du foot. Surtout quand on est jeune. C'est quoi le plus gros bizutage que tu as subi? Oh, c'est difficile parce que je n'ai pas une très bonne mémoire. J'ai pas eu vraiment de trucs vraiment en Russie. Oh non, en Turquie, tu avais les œufs sur ta tête avec la farine en arrivant. Donc après un entraînement, ils te cassent des œufs sur ta tête et mettent plein de farine. Chanter. La plupart du temps, c'est chanter. Tu dois chanter devant tout le groupe. Au repas, premier repas dans le club où tu arrives. Voilà, c'est toujours un peu la même chose. Mais sinon, il n'y a pas eu vraiment quelque chose qui m'a marqué. Et que tu as fait subir, j'ai entendu parler d'une Mini Cooper dans un conteneur. C'est quoi Non, cette c'est une histoire? Smart. C'est quoi Et cette en fait, histoire? j'avais une Smart de remplacement. Donc, ils ont pris ma Smart, en fait, vu que j'étais toujours le dernier. Donc, je n'ai jamais été le premier, mais même à viser, je suis le dernier. Donc, en 20 ans de carrière, je pense que j'ai été 20 ans le dernier à sortir du vestiaire. Donc, et là, après un entraînement, pour ne pas changer, je sors le dernier. Et ils ont mis ma Smart dans un container, en fait. Donc, ils ont porté la Smart et l'ont mis dans le container. Donc, mais un container, genre. Un bateau. Non, 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 c'est un conteneur ouvert, mais qui était quand même haut, donc genre 1,80 m sur les parois. Donc une fois que la Smart elle était dedans, ben, fermée, impossible. Donc j'ai cherché la voiture pendant 30 minutes en me disant, mais c'est pas possible, ma voiture elle était là. Et 30 minutes après, en fait, il y en a un qui m'a envoyé un message, va voir là-bas. Mais allez, c'est impensable de dire qu'ils ont porté la voiture pour la mettre dans le conteneur. Voilà, ça fait partie un peu. Sinon, ce que j'ai pu aussi voir, c'est que Vasilevski, il a mis une poule dans le casier de Boussoufa. Donc, un matin, la poule, il a mis une poule dans le casier. Donc, c'est-à-dire, le gars, quand il est arrivé le matin, il a ouvert son casier, mais la poule, ça faisait 20 minutes dans le noir complet. C'est-à-dire qu'il a ouvert, il y a la poule qui a commencé à. Ben voilà, ça fait partie un peu. Allez, moi, je suis un peu aussi. Bout en train, donc s'il y a quelque chose à faire à quelqu'un, ben, j'y vais être partant pour faire quelque chose de comique. Et voilà, ça fait partie un peu de la joie et de la bonne humeur. Moi, pour moi, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a de souhaité pour la suite, Jonas? Ben, je pense que réaliser la même carrière en tant qu'entraîneur que j'ai eu en tant que joueur, je pense que ça pourrait être. Allez, une belle histoire et ça pourrait être le deuxième chapitre à mon livre et de pouvoir
dans 20 ans, vous revoir et me dire, ben voilà, ma carrière, elle a été faite en tant que joueur et en tant que coach. C'est tout ce qu'on te souhaite. Merci à vous. Tout ce qui se passe dans le canap reste dans le canap.